Hello les filles! Aujourd'hui, sur les ongles de notre Miss, on fait du léopard. J'ai fait sur lui et lui, hein? Le petit doigt, puis lui. Lui qu'on a. Ok, cool. Lui. Ah, des fois, quand on en saute un, ça peut être beau, là. Okay. Fait que je vais faire mes taches avec le... Moi, j'aime bien prendre le vernis parce que dans la peinture, t'as pas toujours des beaux bruns, là, avec l'OPI N39. Fait que je fais juste des taches inégales pour faire mon... Oups! Il y en a trop... Absorber ce que j'ai de trop. Voilà. C'est un temps. C'est un petit peu gros, ça, pour ton petit doigt. Bon. Fait que le léopard, ouais, je le fais à la main tout le temps. Et lui, on a dit. Puis l'autre, on va les mettre sur un autre, on va mettre un brillant. Hein? Puis je vais faire l'autre main. Fait que pendant le temps que ça sèche, ça va être super beau. Puis après ça, je vais peindre le noir au pinceau. C'est pas ma première fois qu'on te fait du léopard, hein? Toi? Non? Non. Tu m'avais fait, on m'avait fait un année... sur un petit... Ouais, un petit doigt. As-tu l'année passée? Ouais, mais ça, c'est ça. Non, j'allais trouver la photo. C'était vraiment beau. Tout le monde avait aimé ça. J'ai deux petits bengales. Ça fait avec mes chats. T'as des bengales, toi? Ouais. Hey, j'ai une cliente qui a un élevage de bengales à Saint-Sauveur. Ah ouais? Puis elle veut que j'y fasse du bengale sur un ongle, sur ses ongles éventuellement. Ah, c'est très... T'as deux bengales. Ça fait-tu longtemps? Oui. C'est spécial comme chat, ouais. Hein? C'est pas donné. Ouais, c'est très beau. Par exemple, la voisine d'en face, elle en a deux, là. Elle en a un normal, puis l'autre plus... je sais pas comment t'appelles ça, là. Comme snow, là. Neige. Okay, blanc. Ouais. C'est ça. Elle en a un noir. C'est spécial, pis, ouais, c'est ça. Elle en a un comme plus... Là, je me ferais chicaner par Véronique, parce que je sais pas c'est quoi le nom, là, mais en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est Snow quelque chose. Snow, ouais, en tout cas, ouais. C'est ça. Puis, fait que, mets-toi, sont comme des léopards, ouais. Là, tu sais. Bon, alors. C'est la lumière ici. On a de la lumière ici. Alors, je prends mon petit pinceau. Et je vais faire des mini ligne inégale pour rappeler comme ça le design. J'ai ça parce qu'à chaque fois que je fais du design, comme on entend juste mon horloge et moi là, il y a un bruit qui me gosse là dans la vie là. C'est ça? C'est le tic tac d'une horloge. Je sais pas pourquoi, ok? Compte le temps. Tu te souviens-tu? Ouais, mais je sais pas, ça me tic-tac. Je sais pas, ça doit me rappeler quand j'allais me faire garder chez une tante, puis qu'il se passait jamais rien, puis que c'était plate, puis elle avait un joint, c'est ça, tu sais, je sais pas. Mais je sais que, je me souviens, là, le film pour enfants, là, avec Capitaine Crochet. Ah oui. Capitaine Crochet oui, avec Robin Williams, là. Capitaine Crochet, lui, ça l'énervait au bout de le tic-tac. Mais moi, c'est ça. Je suis Capitaine Crochet. Hein? C'est pas beau, ça. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? Capitaine Crochet, ça l'énervait le tic-tac. Fait que quand je fais mes Facebook Live là, le soir, là, j'enlève mon horloge dans mon salon d'esthétique, puis je m'en vais apporter dans la cuisine, ça me tape trop ses nerfs. T'es là en train de parler avec des filles, puis t'es en train de faire un design, puis tout ce que t'entends, c'est tac, tac, tac. Puis tu sais, c'est. Je sais pas, je trouve ça déprimant. C'est comme s'il se passait rien, tu sais. C'est les bruits qui t'énervent, toi? Non? Quelqu'un qui fait tic-tic. Quelqu'un qui. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui fait. Oui, qui se gratte tout le temps, ce qui est nerveux. Tu sais, quelqu'un qui fait tic-tic avec un stylo, là. C'est tout... Ah oui, qui fait clic-clic avec son bouchon. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'énerver, moi?
La télé est trop forte. Ouais. Mais... Mon chum, quand qui check ça. Ouais, c'est avec la couche de finition, ça va être écœurant. Mon chum, quand qui tu sais, mettons, je suis sur le sofa avec, puis là, j'ai mes jambes sur lui. Mais mon chum, quand il gesticule, puis il parle, il laisse tomber son bras ou sa main, comme tout le temps, sur, comme, mettons, la table, sur mes, mes jambes. Mais là, là, il est pas petit, mon chum, là. Puis, je veux dire, dans le sens que, tu sais, il est quand même baraqué, là. Puis, genre, ses bras sont lourds, là. Puis là, il laisse tout le temps. Fait que, ouais. Fait que là, je puis là, ça me fait mal à la jambe, à un moment donné. Genre, ça m'énerve, arrête! Les petites manies de même. Oui. Ou entendre le monde mastiquer. La soupe. Puis le... entendre du monde mâcher, ouais. Là, ça m'énerve. Moi, c'est les dents. Les dents, c'est une... tu me fais penser à ça. Les dents, c'est une fourchette. Les dents sur une fourchette. Ça, c'est débile. Ça, là, ça m'énerve. Oh. Quelqu'un qui sirope. On dit qu'il sait. Oh, oui. Oui, oui. Quelqu'un qui sape, là. Qui sape, oui. Moi, je capotais quand j'ai daté au début, là, le père à mon fils, là. Comme tu l'entends manger, là, il sape, puis là, j'ai fait comme, oh my god, tu sais. Il me dit, mon Dieu, il dit, c'est rien, tu voudrais pas que tu viennes manger chez nous dans ma famille, tout le monde mange de même. Je suis comme, tu me niaises. Ça a comme jamais à donner, mais je pense à donner une fois, puis j'ai pas remarqué, là. Je vois qu'ils sont peut-être pas de même, là, tu sais. Une famille de sapeux. Une famille de sapeux, tu sais. Fait que là, moi, je suis comme, j'apprends à mon fils à fermer la bouche en mangeant, parce que je veux pas qu'il, qu'il soit. Fait qu'on va te mettre un diamant plus comme ça, tu sais, parce que t'en as des clairs, mais on va t'en mettre un qui reflète un petit peu de le rosé. Est-ce qu'on te le met sur lui puis lui? Mm-hmm. Ouais, hein, ça serait beau. Mm-hmm. Je vais prendre mon crayon de cire qui colle. Voyons. Je cherche ma colle, là. Elle était là. Ah, elle est là. Là, je me cherche un matin. Ah, oh, ça va être beau. Hein? Mmh. Hein? Il est cool, hein? Mmh. Il reflète. Mmh. Je vais laisser comme ça. Je veux pas qu'il glisse sur le côté. Je vais laisser sécher dans 30 secondes avant de faire ton pouce. Hein? Et j'en ai un ici. Mon père, lui, ce qui l'énervait, c'était du monde qui renifle tout le temps. Il capotait. Ah ouais. Il t'apportait à boire des Kleenex. Il apportait à boire des Kleenex à aussi, tout le monde. Ça, c'est ça. Des fois, j'ai des clients, puis ben, je dis ça, c'est le premier effet, c'est un Kleenex. C'est un Kleenex. Tiens, je vais faire ton pouce de l'autre main. Puis ma mère, ce qui l'énervait, c'était... les le monde qui s'embrasse à la télé, mais tu sais que le micro il est trop proche de la bouche là, puis t'entends c'est oui arc hein. On est pas obligé d'entendre ça, il y a des bruits qui nous énervent là. T'sais, on va le laisser comme ça, donne-moi l'autre pouce et on va mettre la couche de finition. La couche de finition, c'est tout le temps mon moment magique parce que là tout devient beau. On va voir le brillant qui est le petit lustré qui est, tu trouves, ouais, qui est dans tes ongles. Mm. Bon. Ça, c'est la couche de finition. Résine UV, ouais. Hein? Alors. N'hésitez pas à réagir hein, à nos vidéos. Vous pouvez poser des questions. Faites des petits cœurs, des thumbs up. J'aime ça quand on fait des petits thumbs up. C'est fun. Même si vous le regardez en rediffusion, là, si vous faites des petits thumbs up, là, j'aime bien ça. Je vois que vous êtes présents. Puis ça nous apporte de la visibilité aussi. Allez, regarde-moi ça. C'est-tu pas beau, ça? Ça, c'est très beau. Ça fait automne. Petite couleur pâle. Puis... ah, merci Carla. Carla, elle vient de me dire que je suis la meilleure. Carla, c'était ma collègue de travail à Montréal. Elle s'occupait, elle faisait les ongles, puis elle s'occupait beaucoup des pédicures. Elle nous a sauvé la vie à plusieurs reprises. C'était une employée hors pair. Si Carla était dans le coin,
et faisait encore des ongles. C'est clair qu'elle travaillerait encore avec moi s'il le voulait, parce que ça a été ma meilleure. Carla, quand est-ce que tu viens nous voir, là? Hein? Bon, on habite loin l'une de l'autre. Mais quand t'as des employés, là... Des bons employés. Hein, ça, c'était là, toujours à l'heure, toujours souriante, le super service, puis elle était méga douce en plus, puis précise, là, minutieuse avec les clientes. Là. Hein, voilà, c'est-tu pas beau? On change de main. Que voilà, les filles. Oh, rien. On t'aime, Carla. Carla dit merci. Merci, Catherine. Catherine a trouvé ça très beau, ton design, présentement. Ouais, c'est beau. Ça va être beau avec le... aussi l'hydratation des cuticules. Tu peux changer de main. Quelle crème tu prends pour l'hydratation de tes mains aujourd'hui, Sylvie? Comment tu te sens? Tu te sens-tu automne, canneberge, citron thé vert, menthe boulot? Moins citron. Parfait, on va y aller avec un classique. Donc, couche de résine UV très mince. On en met 3 pour que ça soit vraiment lustré longtemps. Tu peux changer de main. Donc, dernière couche et on met la... Dernière couche, puis on met l'hydratation des cuticules. Ça donne toujours des belles mains. Hey, moi, je le trouve beau, là. Je suis partie là-dessus, là, les filles. J'en avais fait un, là, qui a inspiré Sylvie, là. J'en avais fait un, mes ongles de cette semaine, là, avec... Du Bourgogne. Ah, mais le léopard, là, on peut faire ça avec n'importe quelle couleur. C'est toujours super beau. Là. Mm. Tiens, dernière fois. Et après, on met la finition. Et voilà. On est scotché. On est scotché ensemble. Travailles-tu? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Tu as tes clients, non? Une vraie journée de congé. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Ça, on va mettre l'huile à cuticule. Puis, voilà. Mon chum, il est cute. Des fois, il suit mes vidéos pour m'encourager. Ouais. Tu sais, ouais, puis il met des thumbs up. Puis, ouais. L'autre jour, il a partagé sur sa page. J'étais en train de faire un Facebook Live. Puis, il y a plein de gars qui like. J'avais quasiment juste des gars qui regardaient mon affaire, tu sais. T'as-tu un client? Ben non, mais tu sais, là, j'étais comme, merci les gars. C'était weird. La fille a fait des... Ah, oh, puis en plus, c'était même pas des ongles. J'étais en train de faire un soin visage. Ah, j'étais en train de faire un masque au curcuma. Puis j'ai plein de gars qui like. J'étais comme, OK. On dirait le blond, prépare-moi ça. Je me fais ça à toi. Poignée de la curcuma, poignée dans la barbe. Et voilà. Tiens, donne-moi l'autre main. On va fermer la machine UV. C'est beau, hein? Que j'aime ça, du léopard. Ouais. On est sœurs de léopard. Ouais. Des fois, tu me fais des ongles, puis ça inspire des clientes. Là, hier, j'étais supposée de faire mon live. Finalement, j'ai eu un empêchement avec mon fils, mais je le fais demain soir. Puis demain soir, je vais faire une espèce de design d'automne carotté, puis je vais faire un avant-goût de... Non, tu sais, style bûcheron. Ah, tu sais, le rouge, là. Oui, c'est ça, le troisième rangé. Puis, puis je le peins à la main, puis je vais faire un avant-goût de l'Halloween parce que j'ai comme trop hâte de faire des ongles d'Halloween, même si on n'est pas rendu au mois d'octobre. Alors, montre-moi ton autre main. Alors, voilà les filles pour les ongles de Sylvie ce matin. Merci!